Bonsoir. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, Mario Carte Bleue, encore un jeu de mots McFly. Jeu de mots, on base nos vidéos sur des jeux de mots. En Tweet Fighter, Street Fighter, Mario Carte Bleue, troisième épisode de la saga des jeux de mots. Quel sera le prochain jeu de mots? On le verra. Vous, en commentaire, allez-y, faites-nous des commentaires jeux de mots. Alors, il faut un jeu de mots avec un jeu vidéo. Donkey Kong. Le principe est simple, on va jouer à Mario Kart. Le perdant donne sa carte bleue et les deux autres prennent la carte bleue pour lui acheter quelque chose de potentiellement encombrant ou de pas agréable qu'il aimerait ne pas avoir chez lui, quoi. Ce sera forcément pas pratique, inutile, décevant. Ça c'est Mario Kart 8... Grand Prix. Il faudrait qu'il faut faire 156. Il y a Link, donc de Zelda, dans Mario Kart. Dans Mario. Attends, en fait, comme tu parles fort, j'ai compris. Ok, je prends Yoshi. Carlito a Toad, toi tu as Peach et moi j'ai Yoshi, on y va. Vous avez dit qui j'étais? On a eu de bière crosse aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas dit, c'est génial. Merci. Faut mettre ça en fin de vidéo. Mais parce que les gens te connaissent. Ok les mecs, c'est parti pour Mario Carte Bleue. Celui qui perd donne sa carte bleue aux autres qui lui achètent. Okay. Un objet encombrant. Ça rigole pas. Vous avez fait le départ turbo? Ouais. Oh, j'ai raté mon turbo. Comment on fait? Soin. Cinquième. J'aime pas du tout mon véhicule. McFly, t'as dit soin de manière gratuite? C'est fou, en général, ceux qui crient sont moins bons. Vous êtes bon. Ah, je suis deuxième, ça y est, j'ai parlé. Allez. Est-ce qu'avant de finir cette course, on peut parler de votre situation financière? Est-ce que ça va? Écoute, c'est très simple, mec. J'ai une famille avec deux enfants. Voilà. Tout va vers eux. Tous mes sous vont vers eux. Ça va jouer. Carlier, position pour Carlier. Première position. Troisième pour Carlier. C'est un homme pauvre. Non. Écoutez, je suis en train de réaliser que ce concept est vraiment vicieux. Je peux pas faire mieux que ça, les gars. Oh, moi, j'étais premier, mais ça, c'est une info. Tu peux nous donner ton document? Ouais, c'est le concept du jeu, en fait. Un document? Hop. Allez. Ah, ça fait mal. Ta seule solution de t'en sortir, c'est de faire opposition maintenant. Donc, on a la carte de McFly avec Pierre, on va dépenser des sous qu'il n'a pas, puisqu'il n'a pas énormément de sous, sur Cdiscount. Écoute, on a cherché plein de sites, Cdiscount nous paraît le mieux en termes de, comment dire, de chapitre. C'est-à-dire qu'il y a tout. Regarde bien. Quoi, ferme ta gueule et achète un truc. Ouais, mais si tu vas dans la catégorie rongeur, c'est quand même pas agréable. Tu ne possèdes pas de rongeur. Ah, il a des chats. Il a des chats qui peuvent s'amuser, changeons. Déjà, c'est mon argent, et en plus, ça va encombrer ma baraque. Ah non. Mec, il a tapé la meilleure chose. Non. Qu'est-ce qu'il a la tapé? La plus inutile. Un moteur à bateau. Un moteur bateau. Ce qui est bien, c'est que ça peut te servir si tu perds encore une course et qu'on t'achète un bateau. Est-ce que tu pourras aller faire un avis toi aussi après? Oh, t'as une réduc. Non, pas de réduc. Allez. Si, mec, mais la réduc. Allez, c'est parti, numéro de carte. T'es prêt, Pierre? Non, mais ça me fait rire, en fait, quand ça t'arrive. Mais dis-toi que si un jour t'as un bateau, mais tu l'as déjà. 0,5, 20. On est à un clic de l'achat. D'acheter un moteur de bateau à McFly qui n'a pas de bateau. Non, mais surtout à 180 balles. Je viens de capter l'enjeu que c'est de perdre une partie, quoi. Oh, il y a un petit suspense. Vous allez peut-être être refusé. Votre commande est terminée. Mec, ça me fait du mal. Je peux pas vous mentir, là, ça fait vraiment du mal. Allez, on continue les gars, la vengeance va être hyper violente, va être terrible quand même. Après, la vengeance est un plat qui se mange froid, peut-être qu'on pourrait t'acheter quelque chose en rapport avec la nourriture froide. Tu sais quoi, la vengeance déjà c'est pas un plat. Comment on fait un départ boost? Oh non, j'ai raté mon départ boost. Ma manette elle tire vers la droite. Oui. Allez. Oh, sa mère qui m'est rentrée dedans. Sa mère? C'est sa mère qui t'est rentrée dedans? Carlito, c'est bien, 8ème. C'est une très bonne position. Ferme-la, va faire des graphiques. Mec, les gars, j'hyperventile. Est-ce que vous profitez un peu du décor? Putain, mais il est deuxième, mec! Mais non! Il est horrible! Oui! Façon de jouir. Les gars, s'il vous plaît, soyez cool. Oui! Oh, t'entends, j'entends le coup de fil du banquier de McFly. Apparemment, quelqu'un vous a volé votre carte bleue puisque vos achats sont totalement incohérents. Je vous le dis officiellement, c'est la première fois que McFly boude dans une vidéo. Ouais, c'est super drôle, quoi. Mec, tu sais, l'argent, j'en ai pas toujours eu, quoi. Bah, ça veut dire que t'en as, cette phrase. Lucas, regarde juste, McFly boude, car il a perdu deux parties. On t'avait expliqué le concept ou pas? Ouais. Regarde bien. A ton avis, dans quel domaine on a acheté son cadeau? Un petit sex shop virtuel, y'a pas ça, non? Vous êtes non. Allé dans le... non, 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 non. On vient de lui acheter un moteur de bateau, mec. Mais merci, je me sens compris, quoi. Mais mec, c'est trop bien. Bah mec, il vient ton été. Voilà, c'est le mec. Bisous. Salut, gros. McFly, est-ce que tu peux nous donner l'info de la surface de ton salon? C'est pas énorme, ça doit être 15 mètres carrés quoi. Mec, une tondeuse, c'est pas génial. Mec, sur un appart, une tondeuse. T'aurais pu la payer 200 €, tu vas la payer 100 €. T'as pas de jardin, t'as pas de pelouse. Niquez-vous quoi. Mais oui, et puis si t'as une question, en plus on te propose des conseils. Regardez, on va lui parler. Comment faire de la YouTube monnaie? Gros, il est indisponible. Top. Qu'est-ce que je vais foutre avec une tondeuse en appart? Ajouter au panier? Bien sûr. 15%, mais vraiment, tu profites de plein d'infos aujourd'hui.
Allez, on valide. Et on perd pas de temps. Il a réussi à me faire marrer. Je refuse le paiement. C'est confirmation de votre commande. Ok, wouh. Bravo McFly, tu as fait l'acquisition d'un moteur de bateau, je le rappelle, et d'une tondeuse. Vous êtes bien sur la chaîne de McFly et Cardito dans Mario Kart Bleu. Allez, partie suivante. Course suivante. Et moi, je veux plus perdre là. Comment on fait un départ booster, s'il vous plaît? Maintenant, t'as plus maintenant. Ah putain, oh, raté, tout. Mais non, je suis déjà dernier. On dit pas je suis déjà dernier, on dit je suis déjà à découvert. Est-ce que tu fais les turbos dans les virages? Ouais, grave. Quand t'es derrière quelqu'un, tu restes de. On te répond plus, mec, on est tellement nul à ce jeu qu'on te répond. Mais qui m'a d'où? Putain, c'est moi le dernier! Attends. Ouais, on est dernier sur la ligne d'arrivée, putain! Eh mec, la vengeance, je croyais que t'étais Dalai Lama et tout. Ouais, tiens, mais on va aller dans la catégorie automobile. Il y a une lumière qui a pété, les gars! Change ta lumière. Ouais. Ok les gars, j'ai remis la lumière. Donc Carlito, pendant que tu remettais la lumière, on a choisi un petit peu, on a décidé d'acheter un pneu. C'est un pneu de 4x4 qui, je ne sais, ne va pas du tout sur ta bagnole. Un bon pneu vaut mieux que... De tu l'auras. Ils vont te laisser un avis de passage. Et tu vas devoir te déplacer pour aller le chercher. Oh, je suis sûr que tous vos abonnés qui cherchent en ce moment des pneus de tracteur se disent, c'est une offre dont il faut profiter. Pierre, j'ai le seum, je t'écoute pas. Je crois que c'est le premier pneu de tracteur qui est livré à Asnières-sur-Seine. Raphaël Carlier, tu peux me dire les numéros s'il te plaît? Le cryptogramme s'il vous plaît. Le cryptogramme c'est 4, c'est 4 et c'est 5. Validé, attention, attention. Oh oui, tu vas recevoir un petit code. Valide ton pneu. Valide ta souffrance. Confirmation. Yes. Faut lui mettre une contrainte. Contrainte, t'as pas le droit d'utiliser le bouton là de déplacement, tu dois utiliser le gyroscope. Sûr que gyroscope c'est le bon mot? Non, je suis pas sûr. D'accord. Ok, interdit, c'est ta contrainte, car. On essaye de niquer Pitch. On nique Pitch, frère. C'est... Ensemble contre Pitch. Ouais. Bon, enfin, c'est bizarre. Ouais. Attends, je n'ai jamais utilisé ça, hein. Je l'adore ce circuit en plus. Ouais, j'aime beaucoup. Vous me gâchez ce jeu. En vrai, ce jeu est ouf ou pas? Ce jeu est trop bien. Il est très très bien. Est-ce que Nintendo peut nous envoyer des sous si non, on dit... Ça d'accord. Putain, je suis bon moi dans celui-là. Il faut, c'est ça, il me faut les pires pour que j'y arrive. J'essayais d'appuyer alors que j'avais pas de cadeau, les mecs. Je peux pas vous dire mieux. Non. Oui, j'ai une étoile. C'est l'espérance. Non. J'arrive, Carlito. Non, me mets pas la pression, je suis hyper sensible à la pression. Oh, troisième. Carlito, t'es où? Carlito, t'es bon? Vas-y, Carlito. Ouais. T'as un jardin, mon Pierre, ou pas? J'ai pas de jardin. Je tiens juste à dire un truc avant. Oui, mais ce sera pas... Après, vous prenez en compte ou pas? Ce sera peu probable qu'on le prenne en compte. Vous invitez un ami. Ouais. Un ami. Une connaissance. Une bonne connaissance. Vous allez faire une vidéo avec. Vous allez gagner de l'argent grâce à cette vidéo. Très vous allez pas me rétribuer. On va gagner de l'argent premièrement pour rembourser les moteurs de bateau. Déjà, et tondeuse. Voilà. Et vous faites payer votre invité. Ouais, allez, ça t'a bien dit le concept, c'est super. On lui offre un cadeau. Ah ouais, un ordi, ça c'est bien. C'est vrai que comme c'est un guest, on pourrait être sympa. Donc on va te prendre un ordi. Un petit ordi là, regarde, c'est sympa. C'est un ordi parce que c'est un PC. Tu l'achètes? Je vais l'acheter, ouais. Vas-y, clique dessus. Clique. Ou alors pas du tout. Pierre, on avait pensé à un truc assez sympa aussi. Ou l'ordi, ou alors un petit salon. Regarde ça. Alors, j'ai un problème, par contre. Ouais. Je te le dis. Regarde là-bas et bouge tes oreilles et chante un truc. Ouais. En fait, je les ai. Elles sont bien. On les oublie, celles-là. Oui, mais en plus, j'ai pas envie qu'il ait les mêmes chansons. Ok, c'est bon, on n'a pas les droits de toute façon. Justin Bieber. Très bien. Ok, vas-y, on va faire autre chose. Prends-lui une balançoire, mec. Mais regarde, il y a un bon portique à 179 euros. Il est où? Je le vois plus. Là, ah. En appart, c'est ça qu'il lui faut, mec. J'ai dépensé 300 euros tout à l'heure, donc là, il n'y a pas d'excuse. Vous vous abonnez, vous êtes déçu. Voir mon panier. Déçu de votre comportement. En plus qu'une histoire de prix, il y a une histoire de place. C'est très très encombrant. Ça va être dans mon décor de vidéo. Les gens ne veulent pas voir ça. Tu peux me donner les codes, s'il te plaît, de la carte? 8262. Validé. Il va falloir recevoir un SMS, c'est sûr. Non. Chope-le. Non. Chope-le. Ah, on a qu'un. Ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose? 649! Oui! C'est vas-y! 649 quoi? C'est ok? C'est mon confirmation! Oh. Comment? Pierre Cross a un portique. Oh merde, on a cassé le canapé! Ouais, mais j'étais en légitime défense! Mais mec, t'as cassé notre canapé! Eh, on peut peut-être acheter un canapé sur ces discounts? Ok, t'es content d'avoir ton portique? Non. C'est normal. Dernière partie, je vous propose un truc qu'on choisit avant. Comme ça, on joue avec l'enjeu. Oh, un truc qu'on doit tous haïr. Bah, moi, j'ai bien un truc en tête, les gars. Si je vous dis le mot poulailler. Dis-moi qu'il y a un poulailler. Oh, il y
il y en a un. Il y en a un à moins de 100 balles. Est-ce que la poule est comprise? La poule. Les rageux diront Photoshop, regarde bien. C'est le premier résultat si tu as poule dans Google Images, vas-y. Ah, c'est elle, regarde. Go. Regarde, c'est elle. Ah, on l'a vraiment trouvé. Ils ont enlevé l'œuf. C'est Discount. C'est Discount, vous êtes sympa, mais là. Là, les gars. Là, on vous a grillé. Regarde le perso de Pierre Cross, s'il te plaît. Aucun swag. Moi je mets un toucan sur mon parachute. Le perdant gagne un poulailler. Oh oui, j'ai le but turbo, j'ai je le turbo direct. Je sais pas comment tu fais. Ok, t'as raison, il est intéressant. Bravo Pierre pour le choix du circuit. Mais tu peux pas faire des dérapages. Si. Oh là là. Mais faut du talent. Ah oh, là je suis à l'aise. Avant dernier tour. Je suis en train Non, il y a le bleu. Non, il y a le bleu. Pierre, non. Pierre. Premier. C'est Carlito. Ça me baillège. Et moi, ça me fait du mal. Je veux pas, je vous jure, je veux pas. Il est bien, il est sur deux étages. Il est super. Il est sur deux étages. T'as une mezzanine. Ferme ta gueule, vas-y, prends-le. Allez, payez votre commande. Bah non, on a déjà rentré sa carte. Bah oui, c'est un bon client. Oh, regarde, c'est tout de suite accepté. Oh, putain, mais c'est un... Tac. Je voudrais qu'on fasse un petit récap de ce qu'on a chacun. Donc, pendant cette vidéo, j'ai obtenu, je pourrais pas dire gagné, donc un moteur de bateau. Ainsi qu'une tondeuse. Quant à moi, je suis le malheureux propriétaire de pneus. De 4x4. Qui ne correspondent pas à ma voiture. Qui ne correspondent pas à des voitures. Ainsi qu'un poulailler, alors que je vis dans un appartement à Asnières-sur-Seine. Moi, je vais recevoir dans mon studio de tournage, d'ici une semaine, même pas, un toboggan. Une balle en soi. Un portique complet. Chers amis, c'est dans la souffrance que nous allons quand même vous demander, est-ce que ce concept vous a plu? Dites-le nous en commentaire. On espère qu'il vous aura plu. C'est quand même moins cher que les appels à des inconnus. Hein. Et dernier truc, vraiment s'il vous plaît, là souscrivez un abonnement, parce que sinon ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Merci Pierre d'être merci. Venu. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Un câlin dans la souffrance, vraiment. Faut qu'on se dépêche parce que la banque va fermer, faut que je les appelle. On se retrouve dimanche prochain, n'est-ce pas? Oh ouais, oui, tout à fait. Pour une autre vidéo, un autre concept, hein, on fait autre chose. On va penser, on en reparlera. Un truc on verra, plus on verra les commentaires. Plus on cool. sera tous les trois et puis on fera. Non, on sera tous les deux. On est un duo en fait. C'est pas deux personnes, mais... un duo. Moi je pensais McFly, Carlito et Pierre. Non, c'est trop long. Et par contre, les gars, je vous ai pas dit, mais moi je vais descendre. Allez, salut. Pierre, il est cassé. Waouh! Waouh, il n'a aucun skill. Non mais. Ça marche vraiment que si t'as pas les genoux qui craquent.